Israël et les Palestiniens mis en cause par l'ONU pour de possibles crimes de guerre à Gaza. Telles sont les conclusions d'un rapport de la commission indépendante d'enquête des Nations Unies sur le conflit de l'été dernier qui dénonce les exactions commises par les deux parties. L'ONU insiste en particulier sur le sort dramatique des enfants. Les attaques sur les maisons et les familles ont conduit un grand nombre de membres d'une même famille à mourir ensemble, souvent en pleine nuit ou au moment de la rupture du jeûne. Ces attaques ont eu des conséquences terribles pour les enfants. Environ 550 enfants sont morts l'été dernier à Gaza au cours des combats. De juillet à août 2014, l'armée israélienne a combattu différents groupes palestiniens armés, dont le Hamas qui contrôle Gaza depuis juin 2007. Durant ces 50 jours de conflit, plus de 2100 personnes ont été tuées côté palestinien. L'État hébreu a annoncé la mort de 67 soldats et de 6 civils.